Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 13 février 2020, 10h40 du Québec, ceux qui ne sont pas encore abonnés. À la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, ben oui, c'est juste pour nous. On a parlé déjà, chers amis, de cette invasion, hein, infestation de -pèlerins, criquets pèlerins, pardon, et euh, c'est devenu vraiment euh, incontrôlable. Et. Apparemment, c'est la peste qui pourrait être la plus dévastatrice de mémoire vivante. On va aller voir ça ensemble. C'est vraiment euh, 2020, hein, comme on le dit souvent. Ici, c'est l'année où il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place. L'invasion de criquets pèlerins en Afrique de l'Est atteint une crise à part entière alors que les milliards de criquets dévastateurs se propagent et pourraient devenir la peste la plus dévastatrice. De, la mé de mémoire vivante. Une épidémie de milliards de criquets envahit actuellement l'Afrique de l'Est, dévorant tout sur son passage. Alors que les essaims de criquets pèlerins augmentent de façon exponentielle, la région qui souffre déjà d'une faim extrême ne peut tout simplement pas se permettre un autre choc majeur. Les fléaux ne s'arrêtent pas en Afrique en ce moment. La fièvre de l'Assa se propage à travers le Nigeria. Beaucoup voient l'Afrique comme une plaque tournante de l'économie chinoise. Et il est donc à craindre que le coronavirus de Wuhan ne se propage comme un incendie sur le continent. Enfin, il y a ce fléau, fléau biblique de, de, des sauterelles hein, qui grouillent et qui dévorent tout sur leur passage. Comme déjà exposé dans mon article, nous dit l'auteur, la horde apocalyptique de criquets pèlerins a détruit les récoltes en Somalie et en Éthiopie. <coughs> C'est la pire épidémie en 25 ans. Avant de faire des ravages au Kenya, la pire en 70 ans. Il y a plein d'images, je vous laisserai euh, le lien de cet article-là dans la boîte de description. Maintenant, les tornades massives d'insectes se propagent dans toute la région. Ils sont déjà entrées En Ouganda, les scientifiques s'attendent à ce qu'ils traversent la frontière euh, chaque jour dans le sud-est du Soudan du Sud, où les gens ont déjà du mal à sortir de la guerre civile. Maintenant que vous savez qu'un seul essaim peut contenir jusqu'à 150 millions de criquets par kilomètre carré de terre agricole, une superficie de près de 250 terrains de foot, tout devient encore plus cauchemardesque. Un essaim de taille moyenne d'insectes voraces peut manger la même quantité de nourriture que l'ensemble de la population du Kenya. Et que tout le monde dans la région des trois États, New Jersey, Pennsylvanie et New York, donc ne pas agir à temps, vous pouvez voir les conséquences que cela aura. L'insécurité alimentaire menace déjà 13 millions de personnes dans la région, 10 millions dans des endroits touchés par les criquets et 20 autres millions de personnes dans les régions qui risquent de souffrir de la faim. Une action immédiate est nécessaire avant que davantage de précipitations dans les semaines à venir apportent une végétation fraîche pour nourrir les nouvelles générations de criquets. S'ils ne sont pas contrôlés, on dit que leur nombre pourrait augmenter jusqu'à 500 fois avant l'arrivée du temps plus sec. Cette invasion biblique a le potentiel de devenir le fléau le plus dévastateur des criquets. De, de nos mémoires vivantes et si nous ne réduisons pas le problème plus rapidement que nous le faisons actuellement, euh, a déclaré le chef de l'aide humanitaire de l'ONU, Mark Lowcock. Pendant ce temps, les avions déversant des pesticides de, euh, dans l'air sont considérés comme le seul contrôle efficace. L'ONU commencera à tester des drones équipés de capteurs cartographiques et d'atomiseurs pour pulvériser des pesticides. Cette invasion de criquets pèlerins est déjà une catastrophe, mais pourrait facilement se transformer en une crise humanitaire et sociétale sans précédent pour l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient au Moyen en cours des prochains mois. Des efforts urgents doivent alors être fait pour protéger les moyens de subsistance des agriculteurs et des éleveurs, sinon il y aura du sang. Plus de nouvelles sur la peste à suivre. Donc, vraiment, on le voit, il y a des, euh, des anomalies climatiques incroyables, une euh, <coughs> intensification hein, des changements climatiques, des tempêtes. Je vais revenir sur plein de tempêtes qui vont encore frapper l'Europe ce week-end l'intensification des tremblements de terre, l'intensification de l'activité volcanique, les météorites qui commencent à nous tomber sur la tête, comme celle qui est tombée en Inde. Moi, je vous le dis, préparez-vous au pire, parce que le pire, on ne l'a pas vu encore. Le grand minimum solaire est en train de s'installer, hein, et plusieurs nous prédisent un cycle solaire pour les 20 à 30 prochaines années très faible. On n'est pas sorti de l'auberge.